Le défilé paramilitaire et civil, placé sous le thème « La relance économique par la diversification et le travail acharné », a marqué la célébration du 59e anniversaire de la fête de l'indépendance dans le département de Pointe-Noire. À cette occasion, plusieurs Pontenegrins ont fait le déplacement pour assister au défilé. Le département de Pointe-Noire, havre de paix, célèbre dans la paix, sous un égrégore de paix, à travers sa ville océane, capitale économique du Congo, ses populations et ses autorités, et ce, pour la première fois sur ce boulevard Jacques-Opango, si dans l'arrondissement de Mvumvu, sous la ferveur d'un défilé populaire marquant le 59e anniversaire de l'indépendance du Congo. Je vous autorise de commencer le défilé. À vos ordres, monsieur le préfet. Après le passage du drapeau national, ce défilé qui a duré 4 heures s'est poursuivi avec les passages de plusieurs structures d'État et privé en présence du préfet du département de Pointe-Noire, Alexandre Honoré Paca. C'est sous le macadam de l'avenue Jacques-Opango que les Pontenegrins ont célébré la cession du pays à la souveraineté internationale. Une date considérée comme étant le socle de la liberté, de la fierté et de l'unité nationale.